Yegete, et ça rentre, les premiers points. Yegete qui vient proposer l'écran pour libérer le tir, le rebond pour Yegete, Désir Rodriguez sous le cercle. Palmer Junior, ça s'est bien refermé à l'intérieur cette fois-ci. Nouvelle pénétration et le tir qui rentre. Isaiah Mike. Et ça rentre une nouvelle fois et tout le banc burgien qui se lève. Allez, ça joue pour Bourg-en-Bresse et pour Jordan Floyd. 3 secondes, il va prendre ce tir. Et ça rentre, le tir pas tout à fait au buzzer mais pas loin pour Jordan Floyd. Et ça rentre à l'autre côté pour Isaiah Mike. Plus 14 à 5 minutes de la fin de ce troisième quart-temps. Et il a traversé tout le terrain. L'assurance tout risque. Et Limoges qui est en train, voilà ce que je disais tout à l'heure, enflammer un petit peu ce match. Ça ne rentre pas et Limoges qui s'en sort. Et 4 secondes là sur cette possession, va falloir qu'il prenne le tir, Bryce Jones. Voilà qui est fait, il est très loin, mais ça lui a pas fait peur, le très gros tir de Bryce Jones. Et Pierre Pelot, ça a une main. Et de numéro 11 face à face. Jones qui est passé entre les deux. Oh, il s'est infiltré à l'intérieur et... Oh, une nouvelle fois, il est passé, il est phénoménal, Bryce Jones ce soir. Ah, c'était important là, c'est de lancer franc, laissé en route par Amida Brima. Catch and shoot, on a retrouvé Nicolas Lang. Et Benitez à toute allure vers le parquet qui parvient pas à mettre dedans. Et panier accordé par les arbitres. Ah, la passe un peu trop longue de Nico Lang. Limoges signe un 9e succès en Belclic Elite. C'est Limoges à retourner la JL Bourg ce soir.